Salut, je m'appelle Zoshia, j'ai 24 ans, j'habite à La Courneuve depuis 3 ans maintenant et je suis artiste, interprète, compositrice, chanteuse et musicienne. Je suis arrivée dans la musique un peu par hasard et vers 19-20 ans, j'ai commencé à écrire des textes de rap, slam que je posais sur des prods YouTube libres de droit. Et donc très vite, j'ai eu envie de créer mes propres compos. Et donc un peu par hasard, il y a 4 ans, je me suis mis à la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Je travaille sur Ableton majoritairement, qui est donc un logiciel de MAO. Actuellement, je suis en train de monter mon projet personnel. C'est d'aller chercher des thèmes dont on parle peu en musique, des gens dont on parle peu. La musique donc s'appelle Jeux d'enfants et ça parle d'une mère célibataire en situation de précarité et qui raconte un peu avec autodérision ses problèmes financiers, ses problèmes judiciaires et qui ment à son enfant en permanence en lui disant « t'inquiète, ça va bien se passer ». Et donc le but c'est d'aller faire une musique hyper dansante, c'est-à-dire que si tu veux danser et t'amuser, tu peux. Mais si à un moment donné tu veux écouter les paroles, tu peux te dire c'est assez intelligent, c'est réfléchi, en tout cas c'est pensé quoi. Et donc je suis très très fière d'annoncer que je vais tourner mon premier clip donc à La Courneuve début novembre au marché des Quatre Routes. C'est une ville qui fait partie du département Seine-Saint-Denis et le 93 se bouge énormément pour les jeunes talents artistiques. Typiquement, moi, si j'avais été ailleurs, on ne m'aurait peut-être pas donné le soutien de la mairie pour aller tourner dans un lieu aussi grand et aussi majestueux que le marché des Quatre Routes. Donc voilà, je suis très fière de ma ville et très fière de mon département. En musique électronique, on est assez peu de femmes. C'est assez flagrant, moi, de ma petite expérience. Je me suis déjà confrontée à des situations où je me suis pris des remarques infantilisantes, sexistes. Et donc, on veut plus de femmes dans la musique. On les veut, surtout, on les veut dans tous les genres de musique. Mesdames, appropriez-vous le métal, le rock, la techno, le rap. Appropriez-vous la parole publique et la musique parce qu'on veut entendre vos voix et on veut savoir ce que vous pensez de la société. J'aimerais avoir